amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien par la grâce de Dieu. Ça faisait longtemps que je suis passée par là. Voilà, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais cuisiner avec vous de la soupe de mouton. Tripe de mouton et pas de mouton mélangé. Voilà. Donc du coup, j'ai déjà mis mes tripes dans ma casserole que j'ai lavé, j'ai nettoyé. Voilà, surtout, nettoyez bien vos tripes. Nettoyez bien vos tripes parce que les tripes, c'est sale. Nettoyez ça bien propre. Voilà. Nettoyez ça plusieurs fois même. Lavez ça bien. Voilà. Donc, comme je disais, les amis, dans ma casserole, j'ai déjà mis mes tripes que j'ai lavées. Voilà. Je vais rajouter un peu de sel. Voilà. Voilà. Je vais rajouter un peu de poivre noir moulu. Voilà. Je vais rajouter aussi un peu d'ail déshydraté. Ce ail-là, il faut pouvoir rajouter. Je vais rajouter une petite cuillerée de poudre de gingembre. Voilà. Voilà. On mélange bien le tout. Voilà. Là, je laisse bouillir un peu, hein. Juste 2 ou 5 minutes. Vite fait. Et par la suite, je vais rajouter aussi mes pieds de mouton. Comme j'ai dit, c'est une soupe de mouton que je vais faire. Je le fais à ma manière. Ma façon à moi de cuisiner, c'est celui-là que je vous montre. Là, les amis, je vais couvrir et puis recuire ça au moins 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter un pas de mouton dedans. Voilà, les amis. Vu que les tripes mettent un peu de temps à cuire, je vais rajouter un peu d'eau. Voilà, je vais rajouter encore un peu d'eau. Et je vais laisser encore cuire. Allez les amis, vu que mes tripes ont ramolli un peu, je vais rajouter mes pâtes de mouton. Voilà, j'ai bien nettoyé mes pâtes de mouton. Je vais rajouter de l'eau. Mettre un peu encore. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les tomates, oignons. Je vais rajouter piment. Voilà. Je vais rajouter un peu de tomate concentrée. Je vais ressaler un peu encore. Voilà. Voilà. Je vais couvrir, les amis. Et puis laisser le tout bien cuit. Voilà les amis. Là, je vais enlever le condiment et la mixer.
Là, je vais pas écraser le piment parce que les enfants vont manger, donc du coup, je vais pas écraser le piment. Voilà, les amis, le temps que je mixe mes condiments, je vais jeter mes gombos dedans. C'est facultatif et c'est pas obligatoire. C'est même pas obligatoire, donc voilà. Moi, j'aime bien, donc du coup, je vais rajouter pour moi. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, on va couvrir et puis je vais mixer tous mes condiments puis les mettre dedans. Voilà. Là, je vais renverser ce que j'ai mixé. On va rajouter un peu d'eau. On va rajouter un peu d'eau dans le fond de mon mixeur. Et là, je vais assaisonner. Je vais mettre un bouillon. Voilà. Voilà. On va laisser le tout bien cuit. Voilà les amis, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Là, on va servir. Voilà, c'est bon. Elle est prête. Vous êtes actifs sur le salle, les amis. Voilà, les amis, le résultat de mon plat. Après avoir fini de servir, voilà ce que ça donne. Voilà. Un bon pépé soupe de mouton. Voilà, je vais l'accompagner avec de la chiquée. Voilà. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à la partager et à me laisser des messages à la constructive. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes ces personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui continuent à s'abonner. Franchement, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà. Une bonne soupe. Trop bon. Trop, trop bon, les amis. Délicieux. Trop bon. En tout cas, les amis, sur ces belles images, je vous dis à très 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 bientôt et que Dieu vous garde. Bye yo!